Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous montrer le petit livret que j'ai fait avec la collection Coco Feeling. Je vous en avais parlé pendant le live et puis pendant mon vlog. Et ensuite, je vous ai montré pendant le live ce que j'ai fait. Et je l'ai fini. Donc, je vous fais une petite vidéo. Hein, c'est toutes ces collections-là, de la Tendresse des Fées. Ça, c'est une ancienne collection que j'avais pris et que je voulais faire un mini. J'ai fait déjà une création hein, que vous avez vue sur Instagram. Oui, je vous ai montré aussi pendant le live. Certainement, vous l'aurez peut-être déjà vu sur mon Instagram. Je vous remets mon Instagram comme d'habitude. Donc, eternity.pour.toujours. Comme ça, vous avez en temps et... Oh, j'ai tout balancé. En temps et en heure, mes créations. Et là, je voulais vous faire simplement un petit récapitulatif sur ce petit carnet qui est très facile. Hein. Je vous l'avais montré. C'est simplement un petit accordéon, hein, comme ceci. J'ai pris une feuille A3. Ça, c'est une feuille A3. Et j'ai fait des pliures par rapport à une feuille A3. Il n'y a pas de mesure. Hein. Vous pliez en deux, en deux, en deux. Ça, il y a plein de vidéos. J'en ai fait plein aussi sur ma chaîne. C'est vraiment la chose la plus basique sur le scrap. J'ai pas mis de photo, je voulais simplement quelque chose autour de la magie, autour des fées. Donc j'ai fait toutes les découpes et toutes j'ai aquarellé, j'ai pas colorié, j'ai aquarellé. Je ne sais pas si ça se dit ce mot aquarellé parce que je ne l'ai pas dans mon téléphone, mais j'ai mis de l'aquarelle sur mes tamponnages, comme vous pouvez voir. J'ai fait mon fond avec du Magicol dans le gold. J'ai fait le pochoir qui m'a été offert par Coco Feeling, celui-là. Ça, j'adore ça, c'est magnifique, ça aussi, hein. Mais bon, voilà, et là, j'ai rajouté, donc, j'ai mis en 3D le petit personnage dans l'œuf, moi, je l'aime trop, les fleurs, elles sont splendides aussi, un appareil photo, c'est super, l'enveloppe, et j'ai mis le titre, il y a de la magie dans l'air, et ensuite, donc, j'ai fait des fonds de plusieurs couleurs, mais bon, vous allez voir, je trouve que là, le rose, il est trop prononcé, vous voyez, mais au fur et à mesure, donc, pareil, j'ai fait de la même façon. J'ai fait aussi un petit peu de tampon de fond de pois. Ici, un petit peu de tampon de fond de chou. Les mots que j'ai rajoutés. Donc, vous voyez, j'ai collé ici simplement ma partie là de ma couverture avant et la partie arrière. Mais pas dans sa totalité, vous savez, sur un accordéon. Sinon, il ne va pas être maniable. Bah là, c'est de chou, je voulais le mettre. Avec ce petit champignon, il y a croqué, vous ne trouvez pas. Et j'ai mis aussi, bien sûr, du 3D, mais de vraiment très, très fin. J'ai pas mis du gros 3D. J'ai mis du gros 3D ici sur le titre, vous voyez, sur le titre ici. Mais l'appareil photo, je l'ai mis en 3D, mais sur un fin. Donc voilà, j'aimais bien ces enveloppes, ces fleurs. On a la possibilité de créer des petites choses comme ça, sans mettre autre chose. Voilà, j'ai mis à chaque fois un petit titre comme ça, des mots qu'il y a sur les planches. Donc voilà, donc là, j'avais fait aussi un câble pour chaque en making tape. Je pense que je vous l'avais montré dans le vlog. Et ça a permis d'avoir une délimitation, c'est bien aussi. Donc là, j'ai mis mon petit joufflu. Un peu trop rose, mais bon, je l'ai mis quand même, hein. Je vous l'avais montré, donc voilà, je le mets, hein, tant pis. Et j'ai fait des petits pois un peu partout, abracadabra, je l'ai remis un peu partout aussi, vous voyez, dans les pois. Et j'ai fait des petites phrases ici, la tête dans les étoiles, qui rapproche par rapport à ça. Ici, la fée, pour moi, la délicatesse d'une fée, j'ai repris ici sa baguette magique, une petite enveloppe, voilà. Puis j'ai mis des petits coins, des fois, qu'il y a dans les planches aussi, ces petits coins-là, je les trouve super bien. Petit coin là qui se rajoute dans chaque planche, ça fait très joli, je trouve. Donc là, pareil, j'avais fait un fond et puis j'ai utilisé le pochoir partout, un peu partout, avec les couleurs tie-dye et anti-climen. Alors ici, j'ai fait... Alors, je sais pas pourquoi, hein, j'étais dans les roches, je partais en bleu. Bah, me demandez pas pourquoi. Bleu ciel, je voulais mettre du bleu ciel. Vous me direz ce que vous en voudrez, ce que vous en pensez, pardon. C'est un masque hein, que j'ai pris donc et que j'ai retourné. J'ai fait Magicol sur une page à part et je l'ai retourné. Et ça a fait donc très peu, mais ça donne des petits reliefs dans le fond. Voilà. Donc là, il y avait un cœur avec tous les entourés d'étoiles et moi, j'ai découpé que le cœur. J'ai mis cette petite pomme aussi avec. Je trouvais ça très, très beau. J'ai remis Abracadabra, Au clair de lune, De l'amour à l'infini, Merveille et enchantement. Voilà. J'ai mis des polas partout. C'est vrai que j'aime bien ces pots-là. J'avais mis là aussi en dessous et j'en ai mis partout. Cette lune aussi avec les étoiles, je trouve beau aussi.
Voilà. Et ici, ben voilà, ben là, je me suis pris dans, je suis partie dans le Swifter de Magicol, la Rémanta, un truc comme ça, dans le gris. Et j'avais envie de le mettre là. Voilà, j'avais envie de le mettre là. Je ne sais pas si ça suit, mais enfin, voilà, j'ai mis un tampon chiffre de Graffiti Girl dans le fond, abracadabra, ici aussi, et j'ai fait tout un amas de fleurs, voyez voir. Et puis, j'ai remis ici mon petit champignon, j'ai fait par double, hein, et j'ai remis l'étoile. En pleine création de petit bonheur, j'ai mis abracadabra, et sur la planche là, ici, il y avait à bientôt. Donc, je trouve que c'est bien parce que moi, je mets toujours ça. À bientôt, je l'ai mis en bas. Voilà. Vous voyez? Et là, j'ai un petit peu été hors de mon making tape. Et puis, j'ai fait des petites taches couleur or, nacré, un peu partout. Voilà. Là, je fais derrière un tout petit peu de Magicol. J'ai refait des taches blanches par le dessus pour que ça reste quand même assez pastel. Hein. Là, c'est vrai que ça, c'est un peu plus foncé. Mais bon. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer ce petit dépliant. Hein. C'était une petite vidéo un peu explicative. Et puis, voilà. Donc, je pense que j'aurais pu faire mieux. Enfin, c'était toujours comme ça. Je peux faire mieux. Hein. Donc, mais bon, voilà. Je suis contente de l'avoir fait. Et voilà. Je vous ai dit ce que je pensais qui était trop vif, ce rose. Il aurait dû être plus pâle comme celui-là. Mais voilà. Vous me direz ce que vous en pensez de ce petit livret sur la magie des fées. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Et puis, prenez soin de vous, c'est le principal. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir! Recoucou, voilà, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté des petites fleurs comme ça que j'ai embossées. Vous voyez ici, enfin, vous voyez ici, je les ai embossées en or et je les ai rajoutées. Je trouvais, quand j'avais fait les taches or, que ça rajoutait quelque chose à la création, vous voyez. Donc, Noël arrive, je dis tout le temps, c'est vrai que... Et j'ai rajouté donc une petite fleur dans chaque composition que j'ai fait sur chaque page. Celle-ci, elle est là. Ici, j'ai mis au bout de sa baguette magique. En dessous, attendez, hop là, de abracadabra, ici, ici, celle-ci ici pour partir de l'amour à l'infini, et j'ai rajouté des petits pois noirs que j'avais oubliés sur ce côté-là, vous voyez, comme quoi on n'oublie pas si loin. Voilà, ici je l'ai mis là, et ici je l'ai mis là, voilà, comme ça, ça fait une touche, je voulais rajouter une touche d'or, d'embossage or, donc je l'ai rajouté. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Merci.